Et moi je suis où? Ah toi t'es au-dessus, tu dois être là alors. A mon avis Matt Canty il est juste là. Et moi je vais faire le jump juste ici. Voilà, juste au-dessus du vide les gars, je vais pas vous cacher. Ça risque d'être chaud. Il y a Matt Canty, il vient de se faire déglinguer. Je sais pas si vous avez entendu, il vient de prendre plutôt cher. Ok, donc c'est bon, on est parti pour le deuxième parcours de Matt Canty. J'en avais déjà fait une vidéo sur son tout premier et là on va découvrir justement son deuxième. Je sais pas du tout ce qu'il m'avait préparé, il m'avait envoyé quelques photos, mais bah, je m'en rappelle plus trop. Mais c'est pas grave, au moins on va découvrir ça tous ensemble. J'espère juste que ça va pas être trop compliqué, faudrait pas que je passe non plus de 45 minutes, franchement ça serait parfait. Et en plus on est le matin, je m'échauffe et tout. On va voir, hein. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, donc, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Retiens, 564. En vrai, ça va, hein. C'est 4, 5, 6, mais dans un ordre spécifique. Vas-y, 564. J'espère juste que je vais pas l'oublier, du coup. Bonjour, aujourd'hui, vous êtes sur une Escape Death Run en duo. Le thème au fil de l'aventure change, ouvre bien les yeux. Ok, donc, faudra faire attention. Ma chaîne YouTube, Matt Canty YouTube, abonne-toi, d'accord, d'accord. Et là, je vois qu'il y a deux chemins, player 2, player 1, du coup, je suppose... Qu'est-ce qu'il est ici? Là on a un pistolet. Ah ouais d'accord, toi tu dois aller là-bas. Mais qu'est-ce que tu dois faire exactement? Ah mais moi je peux pas avancer. Ah mais ça y est, attends, attendez. Je vais aller au-dessus. Ah ok, j'avais pas compris. Voilà, c'est bon. Uniquement deux pistolets. Ah d'accord, faut utiliser les deux pistolets pour monter. Mais en fait on a deux parcours différents. Là je dois aller en face j'imagine. Ok, donc c'est bon, là on est passé. Là il y a un piège. Mais attendez, je pouvais passer par en bas. Je comprends pas trop, c'est assez spécial. Je continue la route, on va voir où est-ce que ça nous mène. Et toi t'es où Matt Canty? Ah merde. Ah mais toi t'es tout là-bas. Attendez, je crois qu'il est déjà arrivé tout au fond le mec. Là je suis... Ok, donc là j'avais récupéré le checkpoint. Je vais continuer tout droit. Alors maintenant on vient de récupérer une boule de glace. Faut que j'aille tout droit quoi. Ok. Et là on arrive devant un château. Et franchement les gars, je vais pas vous le cacher, je suis un petit peu perdu. Je pense qu'il faut passer par la fenêtre hein. Ça semblerait logique. Bah visiblement je suis mort, donc c'est sans doute pas ici qu'il fallait passer. Hein? Ah il y a un rebondisseur. Ah non ça c'est Matt Canty, ok Matt Canty vient de nous passer un rebondisseur. Et en fait c'est pour monter juste au dessus parce qu'il y avait un chemin. Et moi vu que je suis bigleux bah je l'avais pas vu. Ouais le rebondisseur par contre si je peux pas le poser ça va être problématique. Mais bon c'est pas grave vu que j'ai des répulsives. Ok donc là on est passé. Ouais c'est bon en fait c'est juste moi qui avais pas trouvé le bon chemin. On passe par un checkpoint. Ok, là il y a une allée de pièges. Et visiblement je suis mort. Alors je sais pas comment parce que le piège il était pas activé. Mais je suis quand même mort. En fait je crois que c'est ma connexion qui... Ouais voilà, ma connexion elle accepte pas de bait les pièges. C'est ça en fait. Ok, c'est bon, j'ai réussi à bait tous les pièges. Maintenant je suis ici. Non, je pense pas qu'il faut aller à l'extérieur. Là il y a un passage. Non, je vais pas essayer de venir vers toi parce que je vais mourir. Ouais, faut rentrer dans le petit trou quoi. Ouais, vas-y, hein, let's go. Ok. Eh mais en fait ça c'est trop stylé. Ce qu'il a fait c'est un death run pour deux joueurs. Et en gros il y a deux chemins différents. Franchement ce genre de death run j'aime beaucoup. Si vous voulez vous inspirer de son parcours n'hésitez pas parce que ça peut être super sympa du coup que moi j'ai mon propre chemin. Ouais yes. Ouais c'est cool. Ouais c'est cool, en tout cas je pense vraiment avoir pris le meilleur chemin possible. Je pouvais pas faire mieux. D'accord, Matt Canty il aime bien me troll. Donc j'imagine que c'était pas ici qu'il fallait passer. On va trouver un autre chemin, écoutez hein. Mais ouais du coup je disais les death run où il y a deux chemins, un pour le créateur et un pour le player, c'est super sympa. Donc c'est pas ici qu'il faut passer, je vais prendre son chemin vous savez quoi. Je vais venir là où il est, du coup je peux le rejoindre. Ah ouais je peux quand même venir. Aïe. Il vient de me mettre une grosse droite. Vous savez quoi, je crois que je vais suivre Matt Canty parce que là je suis un petit peu perdu, je sais pas exactement où il faut que j'aille. Attends, attends moi j'ai pas trop compris où ce qu'il fallait que j'aille. Ok c'est bon les gars en fait j'ai compris, je pense qu'il faut passer à travers le piège. Et là je vais là. Hein? Attends je vais venir vers toi. Je comprends pas wesh. Ah d'accord. En fait ok d'accord, fallait passer par ici. Bon heureusement que tu m'as aidé parce que je n'ai même pas vu le passage. Ok hop c'est bon, on a un sniper. Ouais d'accord, j'ai pas de munitions par contre. Mais il faut aller où là du coup? C'est quoi ce délire? Faut tirer où? En face. Ah d'accord. Ah ouais, ah tu caches des trucs et tout. Ah mais je peux pas deviner. Ah ouais d'accord, ah, mais fallait vraiment avoir l'œil. Ok. Ah mais j'avais rien compris hein. Ok bon, heureusement que tu étais là pour m'aider. Ensuite on passe ici et il y a un piège. Ok donc là je viens tout juste de revenir. Et là tu viens de déglinguer un mur. Ok donc on arrive ici maintenant. Player 1, player 2. J'étais player combien moi? J'étais player 1. Ok, c'est ça? Ouais d'accord. Ok. Moments later. Ok, là maintenant on est au dernier jump. Ok c'est...
What? Attends, là par contre gros, c'est quoi le délire? Pourquoi je meurs? Non, en vrai, c'est quoi le délire? Ok, donc maintenant on est dans un manoir. Ok, il y a un compteur, j'imagine qu'il faut aller derrière. Hein? Attendez, c'est quoi ce délire? Il a peut-être caché quelque chose, non? Je vais regarder autour, il a peut-être caché un interrupteur qui permet d'exploser un mur comme tout à l'heure. Il y a moyen, mais je saurais pas où est-ce qu'il aurait mis. Donc c'est même sûr à 1000% en fait qu'il a caché un interrupteur. Hein. Parce que de l'autre côté, là, il est encore bloqué, Matt Canty. Du coup, je dois essayer de trouver un bouton. C'est quoi ça? C'est pas ça. Donc je disais, je dois essayer de trouver un bouton. What? Hein? C'était quoi? Ah, ok! Ah, ok, ok. Je suis passé à côté d'une encre et ça a explosé. Ok, donc il y avait un bouton invisible. Et là... Ah ouais, d'accord, donc là on a une tourelle, hop, on déglingue la voiture. Ok, hop, vas-y, je me ramène. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Attends, vas-y, ok, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un... Ah, d'accord, putain, j'avais pas vu le checkpoint. Ok, je viens de le prendre. Ah bah vas-y, je vais faire apparaître. Ok, donc je pense qu'en fait, je devais ramener la voiture justement pour aider Matt Canty pour qu'il continue sa route. Et moi, j'étais censé prendre le checkpoint. Ah ouais, c'est ça, pour prendre un autre passage. Ok, et moi, je suis où? Ah, toi, t'es au-dessus, tu dois être là, alors. À mon avis, Matt Canty, il est juste là. Et moi, je vais faire le jump juste ici. Voilà, juste au-dessus du vide, les gars, je vais pas vous cacher. Ça risque d'être chaud. Il y a Matt Canty, il vient de se faire déglinguer. Je sais pas si vous avez entendu, il vient de prendre plutôt cher. Ça va, pour le moment, on se débrouille bien. On n'est pas mort. Et on triche pas, en plus, hein. C'est pour dire. Je sais pas. Ok. Voilà. Gros, moi, je suis arrivé dans une salle. Toi, tu vas arriver où, du coup? Tu vas arriver au même endroit que moi? Ah, je t'ai vu, tu viens de voler, fais pas semblant. Ah, bah merci, c'est bon. Oh, on peut se voir, attends, il y a une vitre ici. Coucou. Ah, c'est trop stylé. Aïe. Ah, ça, c'est pas sympa. Matt Canty, depuis le début de la map, il met des grosses droites. Je vais te le donner. Tiens. Ah, mais moi aussi, j'en avais besoin pour monter, non? Attends, je crois que j'en avais besoin, moi aussi. Attends, moi aussi, j'en avais besoin, je crois, pour monter là. Merci. Oh, au pire, ça respawn, hein, t'inquiète. Ok. Voilà, c'est bon, on est passé. Et vrai, c'est grave sympa. Hein. Ok. Ah merde, on a un overboard. Hop. Oh non, il y avait moins. Oh merde. Il y a un blème. Ah bah non, c'est bon, pire, je peux voler. On va dire que vous avez rien vu. Mais heureusement qu'on peut voler parce que sinon j'aurais été bloqué. Voilà, ça va, ça a l'air plutôt simple. C'est des jumps assez classiques. Hop. Ah merde. En fait, le personnage il s'essouffle. Du coup, je peux pas sauter autant de fois que je veux. Va falloir que je fasse des petites pauses entre les jumps. Ok, là ça passe, let's go. Ok, et en vrai j'ai pas mal galéré là dessus Oh c'est bon les gars, let's go, on est passé avec le caddie. En fait c'est du bait avec le caddie, c'est trop stylé. Et là je dois aller où? Merde, oh non. Oh merde, oh j'ai foutu le caddie dans la lave. Oh non, je suis bête. Mais je suis pas obligé de prendre le caddie, vas-y au pire on va y aller sans prendre le caddie, vous savez quoi. Et on va voir qu'est-ce que ça fait. What? Le piège du taxi ou... Voilà, merci. Je crois qu'il était bugué. Wesh, comment ça va? C'est quoi les bails? Eh, mais il y a des zombies de partout maintenant, c'est quoi le délire? Faut trouver une sortie en fait. Il doit y avoir une sortie, on va essayer de trouver ça. Ah, d'accord, donc faut monter ici. Et après t'enchaîner le jump. Ah, d'accord. Et le passage, il est par là. Par contre, les zombies, vous allez dégager. Oh merde, désolé. Je pensais que c'était un zombie, désolé, go. Ok, donc c'est bon, je viens de comprendre. Ah, c'est bon, là on est déjà presque à la fin. Et voilà. Ensuite, je vais aller en dessous, j'imagine. Ça m'étonnerait que je devrais aller au-dessus. Hop, on chope le checkpoint, on est passé. What? Ah si, c'est là. Ah si, d'accord, celle-là, j'avais pas vu. Ok, let's go. Et maintenant, on est dans un ascenseur. Ok, c'est bon. Putain, j'ai galéré là-dessus, les gars. J'ai bégayé, je comprenais pas où est-ce qu'il fallait passer. Ensuite, là, il y a deux passages. Il y a le côté droit et le côté gauche. Je sais pas s'il a mis une plaque d'activation ici. J'espère pas. Et hop. Et là, du coup, je vais aller sur la corde. Oh putain. Voilà, c'est bon. J'imagine que c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, je vais ou quoi? Vas-y, c'est bon, je te follow. Matt Canty est décédé. Gauche ou droite? Ah, parce que j'ai le choix. C'est gauche. Ok, Matt Canty, je sais qu'il veut me troll. Il a dit, hein. Matt Canty, je l'ai vu, il a dit qu'il veut me troll. Non, 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 mais moi, je vais passer vers la droite. Ça se trouve, j'aurais tort, hein, il y a moyen. Ouais, regarde, en plus, il y a les lumières bleues juste là. Ça, c'est les lumières de la fin, Matt Canty, je suis pas con, hein. Ah, il y a aussi un passage là-bas, hein. Ouais, non, c'est beaucoup plus stylé d'aller vers là-bas, je pense, hein. Allez, on va marcher vers là-bas, hein. Let's go. Je sais que tu veux me niquer, hein. Tu peux casser ce mur au sniper. Alors ce qui est con, c'est que je n'ai pas... Ah d'accord, ok.
En fait, il y avait une suite logique et le sniper il était là-bas. C'est ça, Matt Canty, fais-moi oui de la tête si c'est ça? Ouais, ok, bon, hop, on va revenir. C'est bon, on est de retour. Alors, faut faire le chemin de gauche avant. C'est dommage, mais bon, pas grave. Je pensais tellement que tu voulais me troll pourtant, tu vois, ça me semblerait tellement logique. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, on a chopé le sniper. Maintenant, faut pas que je meure parce que si je meurs, j'ai plus le sniper. Là, vrai, j'ai l'impression que tu voles, là, Matt Canty, hein. J'ai la forte impression que tu voles. Ok, d'accord, ça va. C'est pas compliqué, donc là il a fait une liste de codes. Parce que rappelez-vous, au tout début de la map, il avait demandé qu'on retienne un chiffre. Alors pas possible que ça soit lui, c'est pas lui non plus. Pas lui non plus, pas lui non plus. Pas lui non plus, et c'est celui-là, je m'en rappelle. What? Un petit coup de sniper j'imagine, c'est ça? Un petit coup de snipe? Ouais, c'est ça, hein. Allez hop. Voilà, c'est bon. Ma chaîne YouTube, Atkanti YouTube, abonne-toi. Et on a fini la map avec un énorme GG. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Le gros bouton rouge, tu le vois tous les jours, ce gros bouton rouge. Du coup, n'hésite pas à cliquer dessus pour t'abonner à ma chaîne YouTube et à entrer le petit code créateur Shuto dans la boutique. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, hein, Atkanti. On est d'accord? Sur ce, Atkanti et moi-même, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao!